Et donc l'idée du forestier, ça va toujours être de travailler avec la lumière. Avec cet outil-là, je vais vous le faire là-dessus, on va faire sauter un bout d'écorce. Voilà, on met le bois à nu là. Et derrière, il y a ce qu'on appelle le sceau de l'État. Donc normalement avec des lettres gothiques AF pour administration forestière. Et là, on va venir mettre la marque sur le bois. À partir de ce moment-là, le bois peut être coupé. C'est difficile de donner des densités pour le chevreuil, mais on est à quelques individus au 100 hectares, 2-3 individus au 100 hectares peut-être. Sur les chameaux, on arrive à des densités beaucoup plus importantes l'été, avec des phases de capture qui s'étalent du mois de juin au mois de septembre, on va dire, à peu près. Ces petits GPS, en fait, en gros, ils vont enregistrer votre trace, et nous, et les GPS qui sont sur les animaux, donc ces boîtiers-là, là, tous ceux-là, ils sont programmés pour prendre un peu plus de points demain. Donc on sait qu'on va prendre, en fonction de ce qu'on veut chercher à voir et à démontrer, on va leur demander de faire un peu plus de points les week-ends, les jours fériés, les jours où on distribue, enfin les jours où il y a des gens sur le terrain et les jours où on distribue ces GPS. Et on s'aperçoit très bien qu'il y a des réponses, enfin là, les collègues qui bossent là-dessus au quotidien, les ingénieurs, hein, ils ont des infos hyper intéressantes sur l'impact d'un sentier de randonnée et sur des heures de passage des gens avec les GPS. Et les réponses des chameaux. On s'aperçoit qu'il y a vraiment. Il y a deux choses. La première chose, c'est que tu as. Pour 90%, 95% des chameaux, c'est un gros impact. C'est-à-dire que l'heure d'arrivée des gens sur une zone correspond à quelques minutes près à l'heure de départ des animaux de la zone. Alors, là, on est à 180 mètres. 150 là. 130. 195. 215. 150. 150. Ouais, j'ai dit 150. Claude. Plus moins. Ouais. Alain. Ouais. Attends, viens là. Viens là. Avec Alain. Donc là les jeunes, c'est ce que j'ai expliqué à une partie d'entre nous hier et pas à tout le monde. Tous les animaux dans la réserve qui sont prélevés nous passent entre les mains.
on récupère des petits échantillons, ça dépend des animaux, ça dépend de ce qu'on nous demande derrière de chercher et de trouver. Et on récupère tout un tas de mesures, donc le poids notamment et la patte arrière, qui nous permettent d'alimenter des bases de données et de travailler pour ces fameux outils de gestion dont je vous ai parlé, indicateurs de changement écologique, les ICE. C'est Franck, je crois, le deuxième, c'est Denis. Tu vois, le chamois ? Ouais, Denis.